Ce podcast vous est présenté par le Cannes Football Club. Mike Miller Music. Un podcast du Cannes FC entièrement dédié à l'Olympique de Marseille. Bienvenue à Un Phocéen à Montréal. Réalisé par un Montréalais au sang bleu et blanc. Suivez-nous sur le compte Twitter @OMAMontréal. Sans plus tarder, votre animateur, Adil Raphaël. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Un Phocéen à Montréal en collaboration avec le Cannes FC. Comme d'habitude, Adil Raphaël ici à l'animation. Très, très, très content de faire ce podcast-là parce qu'on commence à voir du mouvement du côté de l'Olympique de Marseille. Ils se sont débarrassés du bois mort. Ils essayent bien évidemment de recruter, c'est difficile, le monde pense qu'il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit. Mais il y a une nouvelle qui vient juste de tomber, comme quoi notre ami Dario Benedetto allait signer à l'OM très très vite. Il devrait être à l'OM à Marseille samedi et la signature devrait se faire dimanche. Et pour cette occasion, j'ai décidé de... j'ai été contacté par Ludovic qui, lui, vit entre l'Argentine, l'Uruguay et le Chili, mais qui est là et qui suit beaucoup le championnat argentin et qui va nous éclairer un peu notre lanterne par rapport à ce joueur-là de Dario Benedetto. Déjà, en premier, salut Ludovic, ça va bien aujourd'hui? Salut, ça va et toi? Merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. C'est toujours sympathique d'avoir des informations que le monde relaie pas ou que le monde ne connaît pas, en fait. Et puis, et toi, étant sur place, bien évidemment, je suis sûr que tu as des petits sujets croustillants qu'on va pouvoir écouter avec toi. Donc, on va déjà commencer dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que tu confirmes l'info? Est-ce que tu entends, bien évidemment, tu dois lire les médias argentins. Est-ce que tu confirmes cette info-là comme quoi Benedetto devrait arriver samedi à Marseille puis signer dans la foulée? Je viens d'avoir une nouvelle il y a trois quarts d'heure, on va dire. Il y a Paola Benedetto qui est une journaliste qui suit Boca Juniors, qui n'a rien à voir avec Benedetto, c'est pas de la famille. Mais elle a parlé avec lui à la fin de l'entraînement et il a dit que pour l'instant, c'était pas encore réglé. Il y avait encore des détails. Ils espèrent que ça se règle cette nuit ou demain matin, mais pour l'instant, c'est pas réglé. Donc l'annonce... de le voir samedi à Marseille et pour le moment prématuré pour moi. D'accord. Après, au-delà de ça, depuis le 19 juillet quand même, c'est acté qu'il y a un accord entre Marseille et Boca, que c'est fait, qu'il ne devait pas partir avant le 1er août. Donc maintenant, on est le 1er août. Mais apparemment, il y a un petit détail qui bloque encore, mais ça devrait se faire rapidement. Héros s'est avancé aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, quoi. Ouais, exactement. Je doute fort, connaissant Jacques-Henri Hérault, sa manière de fonctionner, ainsi de suite. En tout cas, j'ai jamais vu dire oui à un joueur qui va signer et qui ne le signe pas. La plupart du temps, il fait la gueule de bois, il dit rien. Mais là, il a même dit comme quoi ça devrait se faire bientôt. Tout le monde est en train de confirmer le fait que c'est très proche. Bon, après, ça doit être des détails. Pour l'info sur sa blessure, moi, ce qui m'est revenu aux oreilles, c'est la chose suivante. Boca négocie avec Marseille en disant si vous le voulez maintenant, vous payez la clause. Marseille a refusé, donc ils ont négocié pour qu'il parte au 1er août. C'était acté, sauf que l'OM aurait demandé à Boca de payer une assurance au cas où Benedetto se blesse sur les matchs aller-retour de la Copa Libertadores, et les assurances étaient à plus d'un million par match, parce que vous imaginez les enjeux. Si jamais il se blesse, qu'il ne peut pas signer à l'OM, que l'OM a perdu encore trois semaines, doit retrouver un autre attaquant, etc. Donc ça faisait à peu près 2 millions. Et Boca, pour ne pas avoir à les payer et pour pouvoir justifier ça aux supporters, aurait annoncé Benedetto blessé. Ah, ok, ça c'est une info que je n'avais pas vu passer. Donc en fait, la blessure où ils disent qu'il est blessé 2 à 3 semaines, c'est peut-être, c'est possible que ce soit une intox en fait. Exactement. Normalement, il ne serait pas blessé. Ça fait quand même plusieurs jours qu'il doit sortir d'entraînement, qu'il s'entraîne sur le troisième stade un peu plus fermé, on va dire, où il y a Pavone aussi qui est là-bas, qui s'entraîne à part du groupe. Donc, sa blessure, quand on le voit marcher, là tout à l'heure, il joue avec son fils, etc. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est blessé. Après, je peux me tromper, mais moi, des retours que j'ai, c'est qu'il ne serait pas blessé.
D'accord, mais dans tous les cas, ce n'est qu'une blessure de 2 à 3 semaines, si c'est le cas. Puis 2 semaines ont déjà passé, donc en fait, il serait blessé pour une semaine. Donc bref, ce n'est pas non plus la fin du monde. Puis j'aimerais bien, on va enchaîner en fait, vu que tu as mentionné sa blessure maintenant. On sait que Dario Benedetto a été, ça fait 2 ans qu'il est souvent blessé en fait. Tu peux nous parler un peu de ses blessures ces 2 dernières années? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Est-ce que c'est un joueur fragile déjà de par sa carrière? Parce que je pense qu'avant, il ne se blessait pas souvent, n'est-ce pas? Non, il c'est pas un joueur fragile et moi ce que j'ai comme retour c'est surtout qu'il a une super hygiène de vie. Donc c'est quelque chose d'important. Après oui forcément ça c'est il a eu des petites contractures, il a eu des petits problèmes à la cheville etc. Mais il a joué beaucoup moins mais pas forcément par rapport à ses blessures. Il a joué aussi forcément moins parce qu'il jouait un peu à gauche, il a pas joué toujours au centre. Mais il n'a pas été autant blessé que ça. Il a eu pas mal de petits pépins, mais des choses classiques. Il n'a pas beaucoup manqué. Après, c'est vrai que Guillermo ne l'a pas fait jouer les matchs entiers. Donc, il y a des moments où il est rentré, où il était remplacé à la 60e, etc. Mais ce n'était pas forcément à cause de blessures. Parce que on sait très bien qu'il a été blessé quand même dans un match contre le Racing Club en 2017, où c'était les ligaments croisés, si je me trompe pas, où il était absent pendant 6 mois. Donc, mais depuis, tu veux dire que depuis ce temps-là, il n'a pas été très souvent blessé. En plus, c'était un peu plus, il jouait hors position, puis il n'avait pas trop la confiance du coach, quoi. Ben, il a pas joué les matchs entiers. Après, tu sais, à Boca, ça jouait pas mal aussi. Tu sais, il y a une équipe pour la Libertadores, une équipe pour le championnat. Donc, ça tournait pas mal. Et c'est vrai que depuis son retour de blessure, il a quand même moins joué. Il n'a pas été toujours titulaire. Mais il a eu quelques petits pépins, mais rien de. Enfin, voilà, c'était des absences d'une semaine, 15 jours. Qui me paraît normal après avoir une blessure aussi longue. On dit en général qu'il faut un an et demi pour récupérer des croisés. C'est là où il en est aujourd'hui. Mais voilà, là, il a eu, au début aussi, quand j'étais aux États-Unis, là, sur la préparation, il avait une petite gêne à la cheville. Mais on en a fait beaucoup sur ses blessures, mais pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter par rapport à ça. D'accord. Bah écoute Ludovic, on va continuer encore enchaîner sur Benedetto parce qu'on est très intéressé bien évidemment par en fait notre nouvel attaquant parce que ça fait tellement longtemps qu'on en a pas eu un de d'aussi bon que ça. Bon, les gens vont parler de Balotelli pour les 10 premiers matchs était très bon, après bof. Donc parle-nous un peu de Benedetto, son style de jeu, comment tu peux le quantifier? Moi, je l'ai vu jouer surtout en Ligue des Champions en 2014-2015 lorsqu'il jouait à América au Mexique, même qu'en finale qui se jouait à Montréal face à l'Impact de Montréal, il avait marqué même un coup du chapeau, donc 3 buts qui avait fait très mal à l'Impact de Montréal. Moi c'est là où je l'ai vu et puis c'était un joueur mais vraiment tellement passionné, tellement passionnant, tellement impliqué et puis il mouille le maillot ce joueur-là et en plus de moi, de ce que j'ai vu, c'est un joueur très talentueux. Toi tu en penses quoi? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail du style de jeu de Dario Benedetto? Alors Benedetto aujourd'hui c'est un attaquant complet, il est capable de jouer de la tête, il est capable de participer au jeu, c'est pas l'attaquant qui reste devant et qui attend les ballons. Il aime bien décrocher, il aime bien faire jouer, sur les côtés ça se régale avec lui aussi. Tu peux jouer en profondeur, honnêtement il a une palette complète. C'est un régal à jouer parce que c'est pas un individualiste, donc il est capable vraiment de faire participer au jeu et de décrocher. Et puis après son spécial c'est d'être dos au cage. Contrôle orienté, frappe enchaînée, il a cet instinct de buteur où il trouve la cage de n'importe quelle position. Je pense que les Marseillais ont dû voir quelques vidéos. Au 20 mètres, quand il frappe, ça fait pas mal de cacahuètes qui partent bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment agréable. Après, c'est vrai que physiquement, il n'est pas super costaud. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va lui donner un peu plus de mal dans le championnat français. Mais il a une intelligence de jeu, de placement qui va faire très mal et surtout il a les deux pieds quoi, donc ça peut partir du droit comme du gauche et ça va partir très très fort. Après il faudra voir avec les associations. C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut jouer en remise, qui peut récupérer, qui peut couper la trajectoire, mais c'est quelqu'un aussi qui aime bien jouer. Donc pour moi là où j'ai plus un doute ça sera peut-être par exemple l'association avec Tovin.
qui Dauvin aime bien prendre la balle, rentrer dans l'axe et frapper. Avec Benedetto, c'est plutôt un joueur qui participe au jeu. C'est pas quelqu'un qui va rester devant et qui va attendre justement à faire des 1-2, à faire des remises, à faire des combinaisons. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Il faudra voir ce que ça donne parce que moi, quand je vois Thauvin, comme il a joué avec Balotelli, par exemple, qui n'a pas le même style de jeu que Benedetto, mais ça avait plus de mal parce que ça jouait moins en remise, etc. Alors que Balotelli, il avait plus un jeu pour jouer avec un Ocampos, par exemple. D'ailleurs, on l'a vu dans les résultats. Oui, effectivement. Mais en plus, Balotelli, c'est quand même un joueur qui est capable de jouer de haut but. Est-ce que Benedetto est capable de jouer de haut but en remise? Donc, non. Si, si, Benedetto, il est capable vraiment il de est jouer. Capable. Il est capable. Ouais. Après, dans le championnat argentin, je trouve qu'il est quand même moins physique que le championnat français. Par contre, ça attaque beaucoup plus. Il est beaucoup plus dur sur les tacles, etc. Mais sur l'impact physique, le championnat argentin est un peu plus faible que ce qu'on peut voir en France quand même. Donc, ça sera peut-être un peu le point à regarder sur cette adaptation-là. Après, c'est un joueur qui peut faire rêver tous les supporters, quoi. Ouais, Si ça s'est pas, exactement. si ça s'est passé bien sur les premiers matchs, il va enflammer le vélodrome et ça peut être fabuleux. Ça peut être fabuleux. On a Moi, j'ai une petite anecdote. On a remarqué, hein, deux secondes, excuse-moi Ludovic, mais on a remarqué en fait que récemment, avec l'Olympique de Marseille, en pointe, on avait très rarement des joueurs talentueux techniquement. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Benedetto, on va avoir quelqu'un de bon techniquement qui va pouvoir peut-être faire un crochet puis décocher une frappe, quelqu'un qui va pouvoir dribbler un joueur puis marquer? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur en pointe avec une certaine qualité technique. Bien sûr, et il adore ça. Et il adore ça. Moi, je te dis, le contrôle orienté, dos au cage, frappe enchaînée, c'est, pour moi, c'est son spécial, quoi. Ah, ben ça c'est magnifique, ça va nous magnifique. Rappeler un peu Gignac, c'était le dernier attaquant c'est qui ça. Était capable d'être technique puis ouais, marquer des buts. Donc, c'est pas pour rien que Boca vise Gignac pour le remplacer, hein. C'est parce que c'est exactement le même profil de joueur. Et puis voilà, Benedetto a aussi ce grain de folie, le petit piqué devant le gardien pour marquer, le petit crochet au bon moment. Sa vraie force, c'est sa vision du jeu en fait. Plus que vraiment un surdoué techniquement, il est très bon techniquement, mais c'est surtout la vision du jeu et la rapidité qu'il a, quoi. Ouais, Donc, effectivement. ça, c'est quelque chose qui va vraiment faire du bien. Honnêtement, ça fait, oui, depuis Gignac, on n'a pas eu un attaquant dans ce style-là. Exactement, et c'est magnifique en fait. Moi, je suis très excité à le voir jouer avec l'Olympique de Marseille. En fait, j'aimerais aussi parler un peu. Tu as parlé un peu de Boca. Continuons un peu de son parcours avec Boca. Déjà, comment les supporters voient Dario Benedetto à Boca, comment il est aperçu, que ce soit point de vue sur le terrain ou bien point de vue en dehors des terrains, sa personnalité. Est-ce que c'est un joueur que les supporters adorent? Est-ce que c'est un joueur qui est un peu plus discret? Parle-nous un peu de sa personnalité sur et en dehors du terrain. Alors, bon, on va pas parler de ces dernières semaines parce que on va dire que les supporters de Boca déjà espéraient un autre au revoir. Mais bon, ils sont surtout frustrés et énervés parce qu'ils perdent quelqu'un de bon, un très bon joueur. Pour eux, si tu parles avec eux, ils vont te dire que depuis Palermo, c'est quand même le seul attaquant, le seul neuf qui a assumé le poste de neuf. D'accord. Donc ça veut quand même tout dire. Palermo, ça fait maintenant 8 ou 9 ans, je crois, si je ne me trompe pas, ça devait être 2010. Ils ont vu passer énormément d'attaquants et prendre le poste de 9 à Boca, c'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent l'assumer, même des très talentueux. Et lui, il a réussi à ça. Il a réussi à enflammer, il a réussi à se faire aimer par les supporters. Il est, bon, il est aussi hincha de Boca depuis le début. Il a un tatouage de Boca. Donc c'était vraiment quelqu'un qui leur ressemblait. Il s'identifiait à eux et ça matchait très très bien. Ça matchait très très bien. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, est-ce que c'était un idole de Boca à vouloir le comparer à Riquelme? Non, parce que Riquelme, il a gagné la Libertadores. Je pense que si l'année dernière Boca avec la finale et demi-finale qu'ils font Benedetto avec la demi et la finale qu'il fait Benedetto, il y a le titre derrière, ils lui font une statue, hein, parce qu'il a porté à lui tout seul l'équipe, hein. Bah donc oui. il y a,
Il y a juste ce petit truc de ne pas avoir gagné la Libertadores l'année dernière qui ne l'a pas fait passer dans une autre dimension. D'accord. Par rapport à Donc, lui. ça c'est vraiment magnifique. J'aimerais parler aussi, juste mentionner à nos éditeurs, pour ceux qui savent pas, quand même, Benedetto, c'est quelqu'un qui a remporté quelques titres. Il a remporté la Ligue des champions de la CONCACAF en 2015 et en 2016. Il a remporté la première division argentine en 2017 et en Meilleur 2018. buteur. Et en tant que meilleur buteur? Et en tant que meilleur buteur, bien évidemment, j'allais arriver par rapport aux trophées individuels. Je parle des trophées d'équipe. Il a aussi remporté la Super Coupe en Argentine en 2018. Et du côté individuel, donc tu as parlé du fait qu'il a été meilleur buteur, mais aussi il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions CONCACAF en 2015. Il a été aussi le meilleur joueur, donc nommé MVP, donc Golden Ball pour dire le meilleur joueur de la compétition durant cette compétition-là. Plus il a été le joueur, et ça je pense que c'est quand même un gros trophée, donc joueur de l'année en Argentine en 2017, ce qui est pas rien, c'est pas très facile, on a des joueurs quand même très techniques, de très très bons joueurs en Argentine, donc avoir ce genre de récompense, ça doit prouver qu'il n'est pas si mauvais que ce que le monde pense, hein. Non, et c'est quelqu'un qui peut faire des buts tout seul, hein. Il y avait un match, si je ne me trompe pas, c'était contre Huracan. Boca avait un peu du mal et il commençait à tirer sur le terrain. Donnez-moi le ballon, je m'occupe du reste. Et il a fini avec un triplé. Donc voilà un peu le genre de personne. Il a une forte personnalité sur le terrain. En dehors, apparemment, il n'y a aucun problème d'ego. Il s'adapte très bien dans les groupes, etc. Par contre, sur le terrain, il a vraiment une grosse mentalité, comme aiment les Marseillais à l'Argentine, et il se transcende dans les grands matchs, quoi. Aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça que Villas-Boas l'a ciblé aussi, c'est quelqu'un qui répond présent dans les grands matchs, qui a un gros caractère. Et qui va pas s'écrouler. Et c'est quand même le problème de l'OM depuis l'ère Marcourt, c'est qu'il n'y a pas des joueurs capables de se transcender, capables d'être présents dans les gros matchs. C'est ce qu'on reproche souvent à Thauvin. Mais c'est pas à Thauvin qu'il faut le reprocher, c'est à l'équipe entière. On a eu du mal à se transcender sur ces gros matchs. On n'a pas battu Paris depuis je sais pas combien de temps. Lyon, Monaco, seulement l'année dernière qui était catastrophique. Et je pense que Benedetto a ça. Benedetto, il va pas se cacher sur les grands matchs. Il va Ouais, pas se cacher. Il sera là. Il sera là et il répondra présent. C'est pas pour ça qu'on va gagner, mais il passera pas à côté de son match. Pour moi, c'est pas le personnage. Quand il faut se d'accord. transcender, il est là. Et quand il faut répondre présent, il a toujours répondu présent, quoi. Bon, en tout cas, que de beaux mots que tu lui donnes, Ludo. Ça met beaucoup de pression sur lui. Mais n'empêche, moi, écoute, je commence à avoir la chair de poule. À revoir à Marseille un joueur comme tu le décris, ce serait quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent du contrat qui serait signé par Dario Benedetto. Un contrat de 4 ans avec une année en option. Beaucoup ont dit 5 ans, c'est pas vrai. C'est 4 ans avec une année en option. Il a 29 ans, il vient tout juste d'avoir 29 ans. Beaucoup pensent que c'est trop pour un joueur de la sorte. J'aimerais moi parler de deux choses. En premier, on oublie que si jamais il en avait signé 2 ans, au bout d'un an et demi, il aurait pu signer libre de tout contrat pour 0 euro. Donc il faut quand même assurer ses arrières. Si c'est quelqu'un qui va faire très bien, bah ce serait intéressant. Puis même si c'est quelqu'un qui va pas être bon, je suis sûr qu'en Argentine, il y a plein de clubs qui voudraient le reprendre sans aucun problème. Donc je pense pas que ce serait un gros problème de ce contrat-là. Puis après, on s'entend. Faut quand même voir, Oui, pardon. vas-y. Faut quand même voir pas mal de choses aussi. Il a 29 ans, il est à Boca, le plus grand club de Sud-Américain pour moi, ou du moins l'un des quatre qui a les plus gros budgets. Il est vraiment reconnu ici, il a tout ici. Il va pas partir juste pour une expérience d'un an ou deux, c'est pas possible. S'il part et il vient à l'OM, on ne joue pas la Coupe d'Europe. Même ça fait du mal à le dire, ça fait longtemps qu'on n'est plus un grand d'Europe. J'espère qu'on va y revenir rapidement, mais qu'on n'y est plus. Et il va pas venir pour trois cacahuètes et signer un contrat d'un an ou 2 ans, quoi. À un moment donné, c'est normal aussi qu'il faut qu'on compense quelque part, pour pouvoir attirer ce genre de joueur, quoi.
Exactement. Et puis 29 ans, on s'entend, jouer jusqu'à 33 ans. Il y a de très bons joueurs qui sont là jusqu'à 33 ans. On voit des joueurs comme Edith Dzeko qui vient de signer à l'Inter, qui a 33 ans. Il y en a beaucoup de très, très grands joueurs à 33 ans qui sont encore excellents. Donc, là, on n'est même pas à 33 ans. 33 ans, il a 29 ans encore. Donc, on se calme un peu. Il n'est pas non plus, c'est pas un vieillard qui arrive avec sa canne non plus. Là. Il y a deux choses. Hein. Moi, ça me fait rire parce que tous les trentenaires qu'il y a en Europe, je les prends. Hein. Mandzukic, Lewandowski, Cavani, Benzema qui a 31 ans aussi maintenant. Même Ibrahimovic qui a 37 ans, moi je le prends maintenant. Hein. Non, mais voilà, donc l'âge, il faut arrêter. Moi, quand j'entends que les gens veulent Ribéry à 36 ans et que ça les gêne Dario Benedetto à 29. 29 ans pour un attaquant et pour un attaquant de l'OM, c'est le minimum. À quel âge est arrivé Gignac? Il est arrivé à la trentaine aussi, il me semble. Ah, je pense qu'il était beaucoup plus jeune, Gignac, quand il est arrivé à l'OM. N'oublie pas aussi que les deux premières années, il a été nul. Mais c'est après qu'il a été extraordinaire. Mais les deux premières années, tout le monde pensait que c'était un gros flop de d'acier dans le temps. C'est ça, non, il n'est pas arrivé dans la trentaine du tout. En fait, il est arrivé en 2010. En 2010, il avait 25 ans. C'est là qu'il est arrivé à l'OM, puis il est resté jusqu'à ses 30 ans. Il a quitté à 30 ans pour aller rejoindre les Tigresses au Mexique. Exact. Ce que je veux dire, c'est que des trentenaires de très bon niveau, je pense qu'il y en a beaucoup qu'on prendrait sans problème. On entend beaucoup de choses sur Benedetto parce que les gens ne connaissent pas. Donc, comme ils ne connaissent pas, ils sont pas contents et ils vont aller chercher des choses qui les gênent. Moi, ce que je pense, c'est que pour un poste d'attaquant et à l'OM, un jeune, ce n'est pas possible. C'est un poste important, c'est un poste où il faut avoir du tempérament, où il faut avoir quand même de l'expérience, où il faut avoir du caractère. Même un très bon jeune talentueux de 20-22 ans, c'est pas possible. Pour moi, à l'OM, ça pourra pas. On pourra pas mettre quelqu'un de vraiment jeune. Il faut déjà quelqu'un qui ait de l'expérience et quelqu'un qui a fait ses preuves ailleurs déjà. Ouais, effectivement. Et moi, je trouve que c'est quand même bon. Après, en parlant du prix, on parle d'une offre entre plusieurs médias. Il varie entre 15 et 18 millions, dépendamment des médias. Est-ce que tu penses, pour toi, Ludovic, tu penses que ce serait cher? Moi, je trouve pas ça cher parce qu'un attaquant maintenant, ça court pas les rues. Un attaquant talentueux, ça court pas les rues. Et un attaquant talentueux qui est international, ça court pas les rues non plus. Donc, pour moi, je trouve que le prix est quand même assez logique avec les prix du marché. Alors, pour moi, j'aurais entendu 12 plus 4. Le plus 4, ça serait en cas de qualification en Coupe d'Europe. OK. Mais pour moi, c'est rien. Aujourd'hui, c'est rien. Payer, c'est l'un des meilleurs attaquants d'Amérique du Sud, qui est dans l'un des plus grands clubs d'Amérique du Sud, où c'est qu'on trouve un joueur à moins... même si c'est 15 millions. À 15 millions, un attaquant de pointe. Honnêtement, moi, je vois pas où c'est possible, hein. Je vois pas où c'est possible. Aujourd'hui, le marché, vous qui suivez la MLS, Brian Rodriguez à Peñarol, qui est un joueur très jeune, il part pour 11 millions. Ouais. Alors, pas encore prouvé. Beaucoup de bonus. Hein. Ouais. beaucoup de bonus. Et quand on voit tous les montants en France aujourd'hui, en Europe, de ce que se fait un attaquant, pour moi, 15 millions, c'est donné quoi, sur le marché d'aujourd'hui. Trouver un attaquant comme Benedetto à ce prix-là, je ne pense pas que c'est possible. Ouais, non, c'est sûr. Tu as parlé un peu plus tôt de Martin Palermo. Moi, dès que tu me parles de Martin Palermo, bien évidemment, je me rappelle de ce fameux match où il avait manqué 3 pénaltys dans le même match. mais n'empêche, c'était un excellent attaquant qui a pris sa retraite en 2011 donc pour Boca. Mais c'était aussi un international argentin. Et c'est là où je veux en venir, en fait, et la relation avec Dario Benedetto, c'est qu'on oublie qu'il a été international. Beaucoup de personnes vont me dire « Ouais, mais c'était il y a longtemps, c'était sous Sampaoli, ainsi de suite, en 2017. » Oui, il a eu 4 apparitions sous Sampaoli en 2017, mais les gens ont tendance à oublier que Benedetto a fait une apparition aussi avec l'Argentine en mars 2019, il y a 5 mois, contre le Venezuela. Bon, il a joué 20 minutes, n'empêche... c'est encore un international argentin
qui est là avec les Kun Agüero, les Higuaín, les Messi, et ça veut dire ça peut pas être non plus un flop. C'est impossible que ce soit un flop et qu'il soit international argentin en attaque. Si on m'avait dit que c'était un défenseur central argentin ou un gardien argentin, j'aurais dit ouais, j'aurais pas été très convaincu. Mais un attaquant, je sais pas. Moi, international, bon, 5 sélections seulement là, mais n'empêche, c'est quand même intéressant, non? Alors, exactement. Déjà, il est revenu en sélection, effectivement, après sa blessure, ce que tout le monde oublie de dire. Et puis, moi, les gens qui parlent ne regardent pas le foot sud-américain. Ce qu'il a fait pendant la Libertadores, c'était après sa blessure, et c'était énorme. C'était énorme. Par contre, c'est vrai que c'était 2018, parce que c'était il y a un an maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bon, donc on le sait, hein, vous l'avez tous vu, il met le doublé à Palmeiras, il marque à l'aller, il marque en finale à l'aller au retour. Bref, il a survolé ces matchs-là. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Boca perd la finale contre River. Je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte de la rivalité que c'est Boca et River, mais pensez à tous ceux qui nous écoutent, pensez à l'équipe que vous détestez le plus. Où il y a le plus de rivalité, vous la rencontrez en finale de Ligue des Champions, vous rencontrez dans la plus grande des compétitions et vous perdez contre eux. Boca ne s'en est jamais remis. Les joueurs ne s'en ont jamais remis. Et aujourd'hui, vous avez, je crois, 10 ou 12 joueurs qui sont partis depuis la finale. Donc l'année 2019 a commencé, elle a été très compliquée. Il y a eu le changement d'entraîneur aussi. C'est passé plutôt dans un 4-4-2. Mais l'équipe a commencé à être à mort. Le traumatisme que peut être de perdre une finale de Libertadores et de le perdre contre son ennemi juré, qui est River Plate, qui va en entendre parler pendant 50 ans. Macri, le président de l'Argentine, avant la finale, il a quand même dit « Celui qui perd, il va mettre 50 ans pour s'en remettre. » Donc, je ne sais pas si vous en rendez compte du traumatisme que ça peut être. Mais voilà, donc l'équipe a eu beaucoup de mal. Il faut quand même pas oublier que même si c'était tiré par les cheveux, ils sont allés en finale de la coupe d'Argentine. Ils ont quand même gagné un trophée en 2019. Et moi, j'ai vu Benedetto, j'ai eu la chance parce que la finale était à Cordoba contre Tigres, où Boca perd 2-0. Mais Benedetto, il fait 2 barres et il fait encore un match énorme. Il lui manquait juste un peu de réussite, mais il a fait un très très gros match ce jour-là, quoi. Donc tu es en train de nous dire que même sous pression, c'est un joueur qui va délivrer, donc dans les grands matchs, sous pression, c'est pas quelqu'un qui va disparaître en fait. Non, ça j'en suis sûr. Moi après, ma seule crainte, c'est que c'est un Sud-Américain, et comme tous les Sud-Américains, c'est beaucoup sur l'émotion, c'est sur la confiance, c'est le point le plus important. Moi, je suis persuadé que si c'est sur ses 5 premiers matchs, il marque 2 ou 3 buts, c'est parti, il ne s'arrêtera plus. Ça... voilà. Ouais. Par contre, c'est vrai que si ça met du temps à marquer, que ça commence à douter, que ça commence à avoir du mal, etc., il ne se cachera pas par rapport au public. Hein. Mais voilà, c'est un joueur sud-américain qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de sentir qu'on a confiance en lui, qu'on est derrière lui. Et voilà, après, c'est pas quelqu'un qui se cachera. Il saura répondre présent quand il y est. Puis ça tombe bien, comme je vois que dans le calendrier, Paris et Lyon arrivent assez vite. Ça peut lui débloquer la saison aussi rapidement. Oui, c'est ça. Paris est quand même en fin octobre, Lyon est début novembre. Donc vite, oui, mais pas trop vite comme l'année, je pense, l'année passée. C'est la troisième ou la quatrième journée, si je ne me trompe pas. En tout cas, je ne me rappelle plus trop là. Mais en tout cas, c'était beaucoup plus proche que ça. Mais c'est bien parce que ça va nous permettre de prendre le temps de lui donner des automatismes et de l'entraînement avant de vraiment le lancer contre les gros matchs. Et c'est bien que tu en parles en fait du calendrier parce qu'on a tendance à oublier. Là, aujourd'hui, on est le 1er août, on est en train d'enregistrer un peu tard, donc je pense que la plupart de nos auditeurs qui sont en France vont l'écouter demain, le 2 août.
Par contre, on oublie que le début du championnat, c'est quand? C'est le 10 août. Donc, c'est la semaine prochaine déjà contre Reims. Le premier match contre Reims, l'OM au Stade Vélodrome le 10 août. Ça va être extraordinaire. Je pense pas que Dario Benedetto sera titulaire à ce moment-là. Ça m'étonnerait très, très fort qu'il soit titulaire dès le premier match, je pense. Ça serait pour moi une erreur. Il y a beaucoup d'enjeux. Je ne pense pas que le club fera les mêmes erreurs, et Villas-Boas non plus, de l'année dernière où ils ont remis très tôt les internationaux et ce qui a plombé la saison. Je pense qu'ils vont prendre le temps qu'ils soient à 100%, qu'ils soient vraiment bien, et du moins je l'espère. Parce qu'il y a tellement d'attentes, ils ne peuvent pas le lancer à 60%, ce n'est pas possible. Ouais, exactement. J'aimerais pas aussi qu'il le lance maintenant. C'est quand même trop tôt, mais parce que effectivement, j'aimerais qu'il s'acclimate un peu plus avant de le lancer, parce que déjà que tous les projecteurs sont rivés sur lui, déjà qu'il est déjà critiqué avant même d'avoir touché un ballon, parce qu'il a 29 ans, pauvre gars. Et quand je pense que moi j'ai 37, je me dis combien on me critiquerait. Mais bon, je suis pas joueur de foot. Ouais, non, tu joues pas au foot. Mais bon, en tout cas, juste pour dire que bon, à 29 ans, on s'entend, il a encore 3-4 bonnes années devant lui, et on l'a signé pour ces 3-4 bonnes années, puis après on verra, peut-être qu'il sera encore bon. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas le mettre devant les projecteurs trop vite. Attendons un peu qui s'acclimate un peu à l'OM et à la ville Marseille surtout. Ouais, et puis moi, de ce que j'ai vu des matchs sur la tournée américaine, même c'est que des matchs amicaux, je ne parle pas du résultat, mais là, on sent vraiment ce que veut faire Villas-Boas, et je vois vraiment bien Benedetto intégré dans ce style de jeu-là, avec ce 4-3-3 direct, avec du pressing, où ça joue haut, où on récupère vite les ballons. C'est quelque chose que moi, j'ai bien envie de voir là, avec encore... Ça fait 15 jours, ça fait une semaine déjà, le dernier match, je crois, sans compter le match contre DC United. On voit vraiment beaucoup, beaucoup de choses positives. Et avec Benedetto en plus, j'espère vraiment et je pense vraiment que ça peut matcher. Mais à ne pas faire d'erreur, à les faire revenir trop tôt. Pareil pour Thauvin, pareil pour Gustavo. Si on doit s'en passer pour le premier match, ce n'est pas grave. Mais qu'on attende qu'ils soient vraiment bien et qu'on ne prenne pas de risques avec eux, quoi. Exactement. Et tu as parlé de cette tournée américaine. J'en avais parlé la fois dernière. Faut pas vraiment juger le championnat américain, parce que DC jouait avec son équipe B prime, voire C, sur le terrain. Donc, c'était pas vraiment le niveau d'un MLS. Mais ça a fait du bien, bien évidemment. C'est important pour l'OM, parce que ça a fait du bien au moral. Et je pense que c'était important après une saison aussi calamiteuse que l'année passée. C'était important que les joueurs retrouvent un peu le moral. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cette victoire-là. Et moi, je suis très content de cette victoire de 8-1. J'avouerai qu'après la défaite de Rangers, je ne m'inquiétais pas autant que ça, parce que je savais que Rangers avait le match de Coupe d'Europe et qu'ils étaient déjà prêts, alors que nous, pas du tout. Mais on commençait à avoir un peu de pressing, etc. Mais je me suis dit... S'il essaye de mettre en place des trucs et qu'on se prend encore, qu'on se prend une valise contre Saint-Etienne ou contre Montpellier, pour la confiance des joueurs et pour que Villas-Boas soit suivi, ça va être compliqué. Et puis, ouais. Bon, ça s'est bien groupillé, on a vu que c'est monté en puissance. Bah, j'en avais parlé avec toi d'ailleurs pendant le match. On a vu un pressing haut qui était agréable, on a vu pas mal de phases de jeu qui étaient agréables. Et voilà, ça donne envie de commencer le championnat et de voir ce que ça va donner, quoi. Exactement, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les combinaisons. Il y avait de plus en plus de combinaisons. C'est ce que j'aimais, en fait, c'est ça que j'ai aimé dans le jeu. On sent que c'est une équipe qui va jouer. C'est pas une équipe qui va attendre le compte, c'est pas une équipe qui va nous ennuyer. On va pas avoir des purges de 45 à 60 minutes pour après avoir un but et se réveiller un peu devant notre télé. Non, ça va vraiment être, je pense, des matchs où techniquement on devrait avoir la possession du ballon, mais pas juste une possession stérile, mais une possession alléchante. Bah, j'espère, en tout cas, je pense que c'est ce que Villas-Boas veut amener à l'OM. C'est pour ça on critique beaucoup qu'on n'a pas de recrutement, mais pour moi, le DC et l'attaquant, c'était important, parce que des DC, on en avait plus que deux. Donc là, apparemment, il y a Perrin aussi, et avec Alvaro, ça va faire quatre. Et il nous reste... très content si Perrin est le quatrième défenseur, je serais l'homme le plus heureux sur terre, parce que moi, pour moi,
il faut qu'on commence à jouer nos jeunes. Puis Perrin, ça a été quand même un joueur qui a été louangé un peu partout dans le centre de formation. Moi, j'ai hâte de le voir. Je l'ai vu dans un ou deux matchs amicaux. J'ai hâte de le voir dans des matchs un peu en jeu, voir ce qu'il peut donner. Même de là à le faire entrer pour la première année, quoi, une dizaine de matchs pour 5 minutes à chaque match, déjà, ce sera déjà excellent pour une première année. Bien sûr. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est vraiment l'arrière-gauche, parce que refaire une saison avec Amavi, c'est pas possible. Et les jeunes qui poussent derrière, c'est peut-être encore un peu temps, donc j'aimerais vraiment quelqu'un de costaud. Mais après, on oublie quand même qu'on a une équipe qui joue au ballon, quoi. Un Strootman, un Gustavo dans des équipes qui jouent au foot, un Payet, un Thauvin, un Lopez, avec un entraîneur qui veut faire tourner le ballon, qui veut jouer, il va avoir de quoi faire, quoi. Il va avoir de quoi faire. Et je pense que c'est Garcia jouait sur l'envie, sur la niaque des joueurs, mais on n'avait pas ces profils-là. On avait des techniciens et c'était pas son but de proposer du jeu, quoi. Donc du coup, on sent la différence cette année, et je pense que ce que Villas-Boas veut faire avec les joueurs qu'on a, plus les quelques renforts avec du caractère, moi ça me paraît plutôt bien. Il faut pas oublier qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, on a que le championnat. Avec l'équipe qu'on a, on a quand même de quoi faire une sacrée saison, quoi. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je pense que ça va être une bonne saison parce que on a ce qu'il faut, comme tu l'as dit. On n'a pas besoin d'avoir 4 titulaires en défense centrale, 2 titulaires à chaque poste, doubler les postes avec des joueurs titulaires. On peut avoir un très bon joueur, puis un joueur ou un jeune ou un vétéran comme remplaçant pour qu'il puisse jouer les quelques matchs où le titulaire en puissance ne pourra pas jouer parce qu'on jouera juste sur les deux coupes nationales, puis la Ligue 1. Et c'est ce qu'on fait. Donc moi, c'est très sérieusement, si j'ai un arrière-gauche et j'ai un attaquant de pointe, je suis l'homme le plus heureux sur Terre, on n'a pas besoin de plus. Parce qu'au milieu de terrain, on est complètement... On a ce qu'il faut. Sur les ailes, on a ce qu'il faut. J'aime beaucoup ce que je vois de Radonjić, qui est la vraie prononciation du nom. Mais Radonjić, j'aime beaucoup ce que j'ai vu dans les matchs amicaux. Après, bon, c'est que les matchs amicaux, mais ça a l'air qu'il commence à prendre confiance. Et je le dis depuis l'année passée, pour ceux qui écoutent mes podcasts, que moi, je vois du potentiel, c'est ce joueur-là. Puis j'espère qu'il va le démontrer cette année. On va voir s'il peut avoir la régularité. Après, c'est pareil, hein. C'est un joueur qu'en confiance, moi, je me rappelle des matchs préliminaires de Ligue des Champions avant qu'il vienne, avec l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est pareil. Bon, j'ai pas vu énormément, mais de ce que j'ai vu, il y a vraiment du potentiel. Après, c'est quelqu'un qui faut qu'il fasse attention à son hygiène de vie, il faut qu'il soit plus régulier, il faut qu'il se concentre vraiment sur le foot. Mais bon, c'est aussi le boulot d'un entraîneur. Mais comme tu l'as dit, pour moi, devant, il y a ce qu'il faut, hein. Radonjić, Payet, Thauvin, Germain, même Benedetto qui peut jouer sur un côté si jamais il y a besoin, qui peut jouer à gauche. On a le petit, on a un petit jeune aussi qui est pas mal là, Isaac. Liadji. Ouais. Il va prendre un peu de temps de jeu. On a que le championnat cette année. Il faut qu'il signe. Il n'a pas encore signé son contrat professionnel et logiquement, on devrait pas le voir signer un contrat. Si jamais il ne signe pas son contrat professionnel, je pense. Pas que Villas-Boas le fera jouer des matchs. En tout cas, j'espère pas, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un autre Mathieu Flamini au sein de l'Olympique de Marseille. Donc, faut pas faire l'erreur de donner du temps de jeu dans l'équipe première à un joueur qui a refusé encore de signer son contrat professionnel. Bien sûr, mais pour moi, il a été clair pour ça, hein, aujourd'hui pendant la conférence de presse. Il a dit on ne surpaye pas un joueur qui a 0 minute en pro. Ouais. Donc, c'est clair. Mais pour moi, oui, comme tu as dit, on a de quoi faire. Si on prend un arrière-gauche avec l'équipe qu'on a, aujourd'hui, on peut jouer le podium, quoi. À part Paris et Lyon, qui sont costauds, derrière, on a notre place pour être troisième, quoi. C'est ça, pour se défendre face à Monaco, face à Saint-Etienne ou face à Lille, je pense qu'on a ce qu'il faut pour se défendre face à ces équipes-là. Je l'ai dit, et c'est bien. Tu es d'accord avec moi quand je dis que Lyon, maintenant, est en avance sur nous, malheureusement. Et j'ai du mal à dire ça, mais malheureusement, c'est le cas. Lyon est en avance sur l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas penser qu'on peut peut-être sur une saison shipper la place, mais point de vue du côté structurel, organisationnel et du côté d'une équipe de foot, ils ont une certaine avance sur nous. Ouais, ils ont un savoir-faire aussi. Ils ont une stabilité depuis tant d'années. Ils ont leur propre stade. Ils ont une cellule de recrutement qui est très performante. Ils ont très bien vendu. Il ne faut pas oublier qu'ils viennent de vendre encore pour 120 millions, quoi. Ouais, Mendy, juste sur Mendy et Ndombele, mais ils ont vendu aussi d'autres petits joueurs à quand même de bons prix, hein.
Et ils ont fait plus que les remplacer, parce que moi, Thiago Mendes, pour moi, c'est beaucoup mieux que du Ndombele. Voilà, c'est intelligent, c'est bien, non, mais ça fait mal à dire, mais oui, aujourd'hui, ils sont en avance sur nous. Et ben, va falloir aller chercher le retard ou va falloir le compenser. Et il n'y a plus Genesio en face pour faire de l'intermittence aussi. Ça, c'est un petit cadeau à nos amis lyonnais. En tout cas, bah, écoute, Ludovic, j'ai été très heureux de parler avec toi dans ce podcast-là. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Un peu tardive, bien évidemment, mais tu t'es libéré pour moi. Déjà, est-ce que tu peux parler à nos auditeurs comment on peut te rejoindre pour discuter avec toi du foot et bien évidemment de l'OM? Bah écoute, il n'y a pas de souci, vous pouvez me retrouver. Bah moi, je suis sur Twitter, donc vous pouvez venir me retrouver là-dessus, il n'y a pas de problème. Quel est Je suis très ouvert. ton nom d'utilisateur sur Twitter, c'est... Oula, je me rappelle plus. Ok, bah, je vais le dire moi, je voulais juste te laisser l'occasion de le dire. Donc c'est A commercial DOLULITO, donc Dolulito. Donc Dolulito, pour ceux qui veulent suivre Ludovic, qui est quand même, bah, comme vous voyez, qui s'y connaît très bien en foot et bien évidemment un gros amoureux de l'Olympique de Marseille. Ben voilà, ce sera tout pour cette semaine, ben pour cet épisode d'Infocéen à Montréal. J'espère que ça vous a plu. Un spécial Dario Benedetto, comme on l'aime de temps en temps, on fait des petits spéciaux. Merci encore Ludovic, merci à tous Merci ceux à qui nous toi. écoutent. N'hésitez pas à partager tout ça, à parler d'Infocéen à Montréal. Puis bien évidemment, je serai toujours au rendez-vous dans 2 semaines. Donc un podcast qui est fait aux 2 semaines. Donc dans 2 semaines, je serai au rendez-vous pour un nouvel épisode. Merci encore, au revoir.